Il y a les producteurs d'Universal, donc on dit, bah voilà, vous allez signer pour un 2 et un 3, et donc Bob Gale et Zemeckis, ok, d'accord, on va faire un 2, ils commencent à faire un scénario, je crois, de 230 pages, un truc comme ça, ouais. C'est vrai, on va le faire chiffrer, budgéter et tout, combien? 60 millions de dollars. Et là, Universal, t'es là, lol, on va pas faire le film le plus cher de tous les temps, parce qu'à l'époque, c'était ouais. le cas, pour un truc où il y a deux guignolos qui sont dans une voiture qui volent. Ils ont décidé de séparer ce scénario, en fait, en deux parties, et ce qui a donné le 2 et le 3. C'est The Night Production. All I have for you is a word. Nage droit, bouge-toi. Nage droit, bouge-toi. Pourquoi refuse-t-elle d'être peinte? Ça va être très difficile. I love you, Joe. Tiens, c'est marrant, on me le dit souvent. I'm deadly serious. Harry Potter is dead! Bienvenue dans la saison 3 de Clapement 5 pour tout connaître du cinéma, de son actualité avec des interviews, des débats et des jeux. Je m'appelle Aurélien Rapatel et j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode enregistré depuis The House of Running à Paris. Dans cet épisode, nous allons vous révéler tous les secrets de la saga Retour vers le futur en commentant votre top 3 puisque vous avez voté sur les réseaux sociaux pour faire un classement de cette trilogie. Mais on va aussi répondre à plusieurs questions. Pourquoi la saga a connu un tel succès? Quelles sont les coulisses de Retour vers le futur, vous saurez aussi tout des infos insolites, voilà, vous saurez tout sur la saga et nous terminerons d'ailleurs avec un blind test au thème mystère derrière lequel vous, derrière vous, oh là, j'arrive pas à faire cette phrase mais je vais y arriver, vous derrière vos écouteurs, vous pourrez participer pour tenter de défier les clappeurs qui tenteront de vous faire remporter des places pour le film Stillwater avec Camille Cotin et Matt Damon. Mais d'abord revenons à Retour vers le futur puisque nous recevons aujourd'hui une youtubeuse cinéma qui a sur sa chaîne fait un épisode de son format Talarev sur la saga culte. Merci Mélanie, aka la manie du cinéma, d'être avec nous. Ça nous fait très plaisir de te recevoir et je vais te présenter ceux qui vont participer à cette discussion, nos clapeurs. Notre première clapeuse est une productrice qui, nom de Zeus, un soir d'orage, a tenté de relier sa voiture à une horloge sur le point d'être frappée par la foudre pour tenter l'expérience pour vous. Elle en est revenue un peu cramée, c'est Elsa Morel. C'est parce que c'était une Twingo, ma une voiture. Twingo, ouais. Ça n'a pas aussi bien marché, très bien. Et notre second clapeur est un responsable marketing qu'il ne faut jamais traiter de poule mouillée. Il risquerait de vous mettre un coup d'overboard, c'est Mickaël Godefroy. Mais en plus, je suis vraiment comme lui, hein. Je m'énerve direct. Hein. Ah, direct. Ah ouais, direct. T'es inquiétant quand tu t'énerves. Ouais, enfin, très inquiétant. On est terrifié. Est-ce que c'est molosse? C'est vrai, c'est ça. Terrible, oui. On a toutes les rêves. Donc, vous l'aurez compris, aujourd'hui, c'est un épisode sur Retour vers le futur. Trois films sortis en 1985, 1989 et 1990, réalisés par Robert Zemeckis et avec qui, je te laisse, avec qui joue dedans. C'est le casting. Vraiment, j'ai tenté de te faire une petite passe. Il y a eu un truc. Moi, mais qui n'est pas passé. Je n'ai pas réussi. J'ai pas réussi à faire comprendre. Avec ce très cher Michael J. Fox, qu'on aime de tout notre cœur. Et avec Christopher Lloyd, qui joue notre doc préféré, Emmett Brown. Notre duo qu'on a retrouvé autrement avec la série Ricky et Morty. On en parlera peut-être. Comment est-ce que Ricky et Morty se sont réappropriés la saga? Ils ont fait la même chose, c'est tout. Ils ont fait la même chose. Ils sont pas foulés. Hein. Bah voilà. Mais donc, on va commencer. Bah, commençons directement avec la troisième place. Et donc, vous, on va commenter votre classement à vous qui avez voté donc, sur les réseaux sociaux avec le @clap5. En troisième place, vous avez décidé que le troisième meilleur de la saga, ou en tout cas, celui qui serait en troisième place, bah, ce serait Retour vers le futur 3. C'est cohérent, troisième place, c'est le 3. Effectivement, j'ai l'impression que c'est quand même le moins aimé de la saga. Est-ce que tu as une explication ou pas, Mélanie, pour la raison de... Bah, déjà, dans une saga de base, c'est pas une formalité, mais c'est vrai que souvent les suites ne sont pas toujours les plus appréciées par rapport à l'œuvre d'origine. Mm-hmm. Bah, a priori, du coup, le 2 est au-dessus du 3. Alors, là, pour le cas, là, c'était, disons, dans... voilà. Ça arrive très souvent qu'on préfère le film d'origine aux suites, mais en tout cas, je pense surtout que c'est parce que là, on avait donc le film Retour vers le futur, le premier qui était sur une sorte de présent, puis le second qui était sur de l'anticipation, et là, on va dans le passé et on va à l'époque western. Je pense surtout que ça parle peut-être un petit peu moins. C'est le western qui a perdu les gens, tu penses? En tout cas, alors, pour le public français, c'est quasi sûr. Ouais. Parce qu'on n'a pas vraiment d'appétence au western en France. C'est quelque chose de très américain. C'est vrai que ce n'est pas un genre qu'on réalise beaucoup. Bah, nous, non. À part vraiment, je ne suis pas sûre qu'on fasse un western dans les Cévennes, par exemple. Ça serait sympa. Il y a Jacques Audiard qui a fait les Frères Sisters. Bah, ouais, mais Antoine, dans les Cévennes, c'est avec un âne. C'est un western. C'est Patrick. On le salue. Oui. Mais effectivement, je pense qu'il y a un peu ce côté, le fait que ce soit... Ouais, ça... Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Après,
peut-être pas du tout. Mais je pense que ce changement de genre qui est quand même assez radical, ça a peut-être cassé la mouvance. La dynamique. Voilà, c'est ça. Elsa. Mais aussi, je trouve que c'est un film qui est plus un peu une comédie romantique avec l'histoire d'amour entre Doc et Clara. Et c'est peut-être quelque chose auquel les gens ont moins adhéré, parce que je trouve que ce qui est fort dans le 1 et le 2, c'est qu'il y a un côté un peu fou, un peu comédie. Et il y a une écriture géniale. Et j'ai pas réussi à trouver une espèce d'innovation en fait dans le 3, hormis qu'ils étaient dans le western, tu vois. En fait, il n'y a pas vraiment d'innovation, comme tu dis. C'est plus une continuité, c'est des running gags. Ouais, c'est ça, exactement. Et Michael, ouais. Bah, je suis assez d'accord. En fait, dans le 1, ils savent pas comment repartir, du coup. Et du coup, ils utilisent l'éclair. Et c'est exactement la même chose dans le 3, en fait. Ils savent pas comment faire. Donc, ils refont un plan. Ils refont une maquette. C'est exactement la même chose avec la petite maquette de comment ça. Ouais, mais c'est trop. Parce que là, du coup, c'est le cœur du film. C'est vraiment le cœur du film. C'est comment il va repartir et la bromance. Mais sinon, il y a rien d'autre, entre guillemets. Il y a pas de plus-value. Le western n'est pas si bien utilisé que ça. On n'en fait pas grand-chose à part la scène de fin en mode Clint Eastwood et la petite scène dansante qui est assez sympathique. Moi, je trouve la meilleure scène du film. La meilleure scène où il danse, oui, c'est vrai que c'est très sympa. Mais sinon, c'est tout. Enfin, il y a pas de plus-value, effectivement, comme vous l'avez dit, entre le 1 et le 2. Le 2, c'était vraiment le Graal parce que ça va dans tous les sens. Et le 3, on va pas dans tous les sens. Ils reviennent pas dans le Fur Junior, ils vont pas dans le passé, ils viennent pas dans le présent. Ils restent là et c'est tout. Ouais, ils vont dans le passé. Ils vont dans le passé, mais ils font pas des allers-retours, entre guillemets. Ah oui. Ils restent là. Il est moins riche, en fait, c'est moins riche. Il est plus stagnant, en fait. Et aussi, les personnages secondaires, je trouve, ils sont moins bons. Hein. Vraiment, le Simus, si je me trompe pas. Alors, moi, personnellement, je m'en fous. Non, mais il y a un côté où genre ça n'apporte rien, encore une fois, alors que tous les autres personnages secondaires du 1 et le 2 sont très bons. Disons qu'en fait, ça apporte... En fait, oui, il y a tout ce truc aussi de Marty McFly, est-ce que c'est une poule mouillée, tout ça. Et en fait, le personnage de Simus, qui est son ancêtre, qui essaye en fait de le faire avancer. Il y a un peu ce truc de aller dans le passé pour avancer dans la vie. Oui, je suis d'accord que c'est pas forcément le plus impactant, mais... Esthétiquement, j'avoue qu'il y a quand même des scènes que je trouve vraiment formidables. Ouais. La scène de la danse, enfin, moi je trouve ça absolument génial. La kermesse, vraiment, c'est exceptionnel avec les ZZ Top et tout, c'est formidable. Et la scène du train. Vraiment, toute la fin de la scène du train, je la trouve grandiose pour le coup. Je trouve qu'elle est très bien réalisée. Elle est stressante comme il faut. Tu sais qu'ils vont s'en sortir, mais c'est vachement cool. Et surtout, moi je trouve que c'est un film assez hommage au cinéma de western en général, à Clint Eastwood. Et puis surtout, tu sens que comme c'est un peu le dernier qui a été tourné vraiment en parallèle du second, faut pas oublier que Zemeckis, justement, c'est en fait le 2 et le 3 ont été tournés en même temps. C'est pendant qu'il tournait la journée le 3, il montait le 2 la nuit. Ouais. Zemeckis était au bout du rouleau, je pense. Donc forcément, il y a des petites faiblesses. Mais pour autant, on sent qu'ils sont éclatés. Moi, je trouve que c'est un peu le troisième en mode « Ah, vas-y, c'est rigolo. Vas-y, on s'amuse un petit peu, quoi. » Elsa, mais d'ailleurs, tu sens les références de Zemeckis dans le 3, puisqu'il a voulu rendre hommage à Sergio Leone, et notamment il était une fois dans l'Ouest avec la scène dans la gare à Hill Valley. Et du coup, j'ai l'impression que c'est peut-être un film un peu plus, même si c'est quand même un film grand public, un peu plus peut-être personnel dans les références. C'est peut-être aussi ça qui a fait que les gens ont pu moins s'identifier. Et il y a d'ailleurs plusieurs clins d'œil, tu le disais, au film de Clint Eastwood, au western. Et il y a aussi des clins d'œil, je veux dire, de l'équipe elle-même dans le film, puisqu'il y a Dean Cundey qui est le directeur de la photographie de Retour vers le futur, qui joue dans le 3, il incarne le photographe qui prend en photo justement Marty et Doc devant l'horloge de la ville en 1885. Et donc comme ça fait des références aussi internes. Et c'est peut-être ça, en fait, un défaut du 3, vous pensez que c'est qu'il est trop riche, quasiment en petites références, tout ça, qu'il a un peu délaissé le scénario pour quelque chose de... Potentiellement, ouais. Un enchaînement de petites références, de gags, mais qui n'ont pas suffi à créer une dynamique. Oui, potentiellement, ça peut être ça. Après, ouais, effectivement, c'est comme tu disais, c'est que là, il n'y a pas d'aller-retour. Ouais. Oui, le scénario est moins riche dans tous les cas. Ouais. Et c'est une copie du 1, mais version western. Mais avec la richesse de l'univers western, avec des petits clins d'œil. Enfin, c'est surtout, il se renvoie la balle. En fait, j'ai l'impression que c'est un... Vraiment, de toute façon, la trilogie Retour vers le futur, elle est foutue comme un miroir. C'est qu'on a le 1 et le 3 qui ont un air, mais à donc un siècle d'écart, qui se ressemble à un siècle d'écart. Et il y a le 2 au milieu, en fait, qui fait le ping-pong un petit peu entre toutes les époques. Moi, c'est pour ça que vraiment, je trouve qu'il y a une construction. En fait, c'est... De toute façon, la trilogie Retour vers le futur, faut pas la voir comme trois films. Il faut la voir comme une entité en trois parties qui se répond
chaque épisode, chaque réplique même se répond un peu. Bah, tu disais, il y a aussi le truc de la maquette où il refait. Ouais. Ça, voilà, c'est une référence au premier. Enfin, c'est intéressant. Moi, j'aime bien ce ping-pong et vraiment, j'aimerais presque aller voir s'ils sont allés jusqu'au bout, de me dire, est-ce qu'au niveau du timecode, est-ce qu'au niveau de la minuterie du film, est-ce que ça aussi, ça se répond ? Ils seraient potentiellement capables de le faire. Enfin, je trouve que c'est toute une œuvre. Et le 3, il n'est pas moins bien. C'est juste que, comme on a déjà vu le 1, ben on a déjà vu le 3, en fait. Il n'y a pas de surprise. Oui, c'est carrément autre chose, parce qu'on en reparlera après du 2, mais il y a tellement eu une effervescence énorme autour du 2 que derrière, tu attends le 3 comme aussi... Oui. Pas le messie, genre un truc pas au-dessus, mais aussi bien. Ouais, voilà, ouais. Il fallait que ça soit aussi bien. Ils le disent à la fin du 2 que ça allait dans le western, mais on attendait à beaucoup mieux, je pense. C'est aussi ça. Mais c'est... après, à ce moment-là, ils savaient pas que ça allait faire une effervescence, vu que le 2 et le 3 sont tombés, sont tournés au même moment. Eux, pour eux, ils ont fait leur truc et ils se sont pas dit, faut qu'on. Enfin, bien sûr, c'est un film grand public, donc faut que ça réponde aux attentes du public, mais je pense pas qu'ils ont senti cette pression-là. Ils ont dû la sentir entre justement la sortie du 2 et 3, où ils se sont dit, oh là 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 là, on est dans les la problèmes. Mousse. Les problèmes. Il y a dans ce 3 aussi l'arrivée d'un autre personnage, donc c'est Clara qui joue l'amour de Doc, qui est incarnée par Marie Steenburgen. Je sais pas si je le prononce bien, mais je l'ai tenté. Et c'est marrant parce qu'elle a joué aussi dans un autre film de voyage dans le temps, c'est du coup La machine à voyager dans le temps, si je dis pas de bêtises, dans lequel justement elle remonte le temps avec donc Malcolm McDowell qui joue H.G. Wells et à la poursuite de Jack l'Éventreur. Donc en fait, elle est vraiment dans un truc de. Ce film, je crois. Il était pas incroyable. Oui. Moi, je l'ai vu il y a longtemps, j'en ai un petit souvenir, mais c'est drôle de voir aussi des liens. Il y a le directeur de la photo, il y a tout un truc autour. Aussi, je sais pas si elle a été choisie pour ça, je pense qu'elle a été choisie aussi pour ses talents d'actrice, mais ça crée des liens et ça crée aussi toute une mythologie autour de cette saga-là qu'on va voir. J'ai l'impression, c'est pour ça qu'on est d'accord que c'est un film qui a marqué la pop culture. Quand on pense à pop culture, on cite des films comme Retour vers le futur, peut-être comme E.T., souvent d'ailleurs autour de Steven Spielberg ou de ses collaborateurs, parce que Steven Spielberg, il est producteur, de Retour vers le futur. Il me semble, justement, c'est quand les deux Bob, Zemeckis et Gale, au tout début donc du 1, ont voulu produire le film, ils ont eu, je crois, une quarantaine de refus et tout, dont Disney qui leur a dit « Lol, un fils qui embrasse sa mère, ça va pas le faire ». Et ils ont acheté Star Wars en 2012. Le truc, c'est que Steven Spielberg, c'est un grand poteau de Zemeckis, il dit « Vas-y, moi je te le produis avec Amblin ». Alors, je pense pas que ce soit passé aussi facilement, mais dans l'idée, on vulgarise, voilà. Tu l'as bien incarné. Mais le truc, c'est qu'effectivement, on sent aussi toute la patte quand même. Moi, je trouve, dans le cinéma de Zemeckis en général, je trouve qu'on sent un peu la patte de Spielberg. En tout cas, d'Amblin Entertainment, il y a un truc, en fait, c'est faire rêver les gens avec, de la science-fiction, mais genre chouette, quoi. Ouais. Je crois que c'est ce qu'on appelle un peu le bigger than life. C'est ce qui dépasse c'est le nom de sa production. C'est Amblin Entertainment. La volonté, c'est de divertir, quoi. C'est ça. C'est proposer. C'est ça le cinéma de base, hein. C'est divertir. Oui. Je pense que Spielberg l'a mieux compris que n'importe qui. Il y en a qui, quand même, font des choses un peu plus lourdes. Et là, c'est lui, il est plus dans la légèreté. Donc, ça s'inscrit pas mal dans son univers, même si, encore une fois, c'est co-écrit par Bob Gale, et Robert Zemeckis. Donc, lui, il est producteur dessus. Mais d'ailleurs, Spielberg, quand j'ai vu les films sur Netflix, c'était le premier nom marqué au générique. Hein, donc j'ai même eu un doute en mode, mais c'est... Mais c'est vraiment, en plus, t'as tout ce truc, moi pareil, pour la musique à chaque fois, je me dis, oh, mais c'est John Williams, parce que j'ai l'impression que c'est Spielberg, en fait, non, c'est Alan Silvestri, c'est tellement bercé, c'est vrai que, c'est du Zemeckis, mais en fait, c'est du Zemeckis... avec Spielberg. Chez Amblin, quoi. C'est ça. Elsa, je me tourne vers toi. Est-ce que tu vas nous... t'es un peu notre HPI. On dit pas notre top 3 à nous, du coup ? Bah oui, effectivement. moi, j'ai oublié. Moi, je suis focus sur les auditeurs. Mais non, effectivement, donnons. Quel est en troisième place, rapidement ? De toute façon, on va mentionner les films qui vont arriver juste après. Pour toi, Mélanie. Comme les auditeurs, pour le coup. Ah, les trois. T'es raccord. C'est ça. Mais moi, en fait, je suis dans la décroissance. L'ordre, c'est vraiment le 3-2-1. Enfin, 1-2-3. Bravo. On va très vite y arriver. Sur 3, c'est facile. Sur 3, on va vite y arriver. Nickel. Pareil, le 3 également. Le 3 aussi. Moi aussi, le 3. Ouais. Et je veux juste rajouter que c'est aussi le film de la trilogie qui a fait le moins d'entrées en France, avec 1 677 000 entrées. Justement, rapport au western, je pense qu'il n'est pas... C'est ça qui est moins dans notre culture. Moi, je suis encore avec vous.
vous. Hein. C'est le 3. Je pense qu'il y a une unanimité un peu autour de, même du placement. Même s'il est très, très bien, franchement, je trouve quand même. Enfin, moi, ça reste quand même un film que j'adore voir et revoir. Et surtout pour la scène avec les Easy Top, je le rappellerai, mais il y a les Easy Top dans ce film. Mais c'est génial. C'est très drôle parce que les auditeurs ont été très nombreux à voter et personne n'a voté pour le 3 sauf une personne. Elle se reconnaîtra si elle nous écoute. Sache que tu es la seule personne à avoir voté pour le troisième film. Mais voilà, donc après, c'est beaucoup plus serré entre les deux premiers. Mais avant justement de révéler du coup quels sont les deux premiers, puisqu'on va arriver au 2 puis on saura quel est le 1, Elsa, je t'en prie. Oui, parce que moi j'ai une particularité, c'est que je suis HPI, au potentiel internet. J'aime bien en fait aller sur internet pour dégoter des informations dont tout le monde s'en fout. Mais du coup, aujourd'hui, vu qu'on parle de retour vers le futur, et internet techniquement c'est un peu notre machine à remonter dans le temps à nous. Dès qu'on veut une information, on tape qu'est-ce qui s'est passé. Du coup, j'ai voulu voir quels étaient le box-office des films français, des films sortis en France dans les trois périodes où nos héros sont remontés dans le futur, dans le passé, dans le futur. Enfin bref. Du coup, j'ai les années 1955, 1985 et 2015. Alors je vais commencer par 1955. Puisque le premier film à avoir été au box-office en France en 1955, c'est La Belle et le Clochard, avec 11 175 000 entrées, ce qui est quand même énorme. Oui. Donc voilà. En 1985, c'était Trois hommes et un couffin de Colin Serrault, avec 10 millions d'entrées, ce qui est énorme aussi. Et pour 2015, j'aimerais faire un peu un petit quiz. Est-ce que vous savez, par exemple, qui pourrait être à la troisième place? Moi, je vois que Michael, non, regarde ta fiche. J'ai pas regardé, justement. Ah bon. Non. Alors, est-ce que vous avez une idée ou pas? Un film sorti en 2015, déjà, c'était... Il y a des gros films en 2015. Est-ce que tu peux donner déjà le chiffre? Alors, il a fait 5 200 000 entrées. Donc, c'est un gros film. C'est un film américain. Et il y a peut-être un lien avec Steven Spielberg. Ok, j'ai. Ouais. C'est pas Star Wars? Non. Ok, d'accord. J'ai dit vraiment j'ai comme un blind test. Un lien avec Steven Spielberg, Ready Player One? Non. C'était un peu plus tard, c'était 2017. Allez, je vous donne peut-être les acronymes. JW. Ah, hein? Attends, James Wan? Non. Bon. James Wan, c'est la suite d'un film réalisé par Steven Spielberg. Ah bah je sais, Jurassic World. Jurassic World. Waouh, c'était long à sortir. T'as vraiment fait ça. je vais peut-être vous dire le deuxième et je vous referai un quiz pour le premier comme ça. Donc le 2 c'est Les Mignons, le film produit par, réalisé par Pierre Coffin, donc film français américain. Et en premier, allez, vous l'avez cité, quel film peut être d'après vous, avec quand même 10 500 000 entrées. En troisième place, c'était. C'est Star Wars? Oui, Star Wars. Ouais, c'est Star Wars. Ouais. Star Wars 7. Donc voilà. Donc 10 millions. Oh là, donc ça, ce que Internet n'a pas inventé, c'est quels films seront dans le box-office dans le futur. J'ai pas pu inventer ça, mais je vais créer un site Internet, je pense. Franchement, tu pars du principe que si Steven Spielberg ou Marvel sort un film, ce sera dans le box-office. Ce sera possiblement. C'est bien possible. C'est pas un Lars von Trier ou un Gus Van Sant qui va être au box-office. Ou un Fast and Furious. Ça arrive facilement. C'est vrai. Allons-y pour la deuxième place. Les auditeurs ont décidé que le deuxième meilleur, et du coup vous saurez quel est le premier, le deuxième c'est Retour vers le futur 1. Donc vous avez compris que le meilleur film pour les auditeurs c'est Retour vers le futur 2. On y revient dans un instant, mais d'abord le 1, est-ce que c'est surprenant pour toi, Mélanie, qu'il soit seulement en deuxième place? Non, parce que en fait on peut pas comparer à la richesse du 2 en fait. Là c'est pas dans le dire qu'il est moins bien, c'est juste que le 2 est vraiment mieux. Il est plus riche, pas vraiment mieux, parce que moi personnellement... Voilà. Ouais, le 1, moi, ça reste mon préféré. Oui. Mais c'est vrai que le 1, en fait... alors, moi, j'adore les débuts de saga. C'est mes films préférés. J'adore Harry Potter 1, j'adore Le Seigneur des Anneaux 1. En fait, j'aime toujours les premiers. D'accord. C'est toujours mes préférés. Mais j'ai l'impression d'être très rare... Enfin, une rare personne à aimer ça. Il y en a dans les très longues sagas comme ça. Je suis comme toi. Toi aussi, voilà. Mais dans les très, très longues sagas, c'est vrai que le deuxième peut être meilleur. Shrek 2, par exemple. mais c'est vrai que le premier, en fait, comme il met en place aussi, c'est un peu plus long parfois. Il y en a qui s'attachent peut-être un petit peu moins. Et c'est une fois que c'est mis en place, c'est pour ça que d'une 2 sera mieux que d'une 1. On peut casser. Ah, merci. Même si d'une 1 est déjà très très bien. Mais bref, le 2 sera meilleur. Le 2 sera meilleur, c'est sûr. Mais voilà, donc non, je ne suis pas du tout étonnée que le 1 soit en deuxième place. C'est très bizarre à dire. Et question, qu'est-ce que Robert Zemeckis, qui du coup est arrivé sur le projet avec le 1, qu'il a co-écrit, qu'est-ce qui l'a amené à Retour vers le futur? Qu'est-ce qui se serait passé si ça avait été quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qui fait la particularité de la réalisation de Robert Zemeckis, selon vous? Bah, je trouve que Robert Zemeckis, c'est un très bon conteur, en fait, comme tu disais, des comptes, voilà, tout simplement. Voilà, un conteur. Et en fait, je trouve qu'il y a quand même... Parce que Robert Zemeckis a eu l'idée de Retour vers le futur quand il s'est imaginé comment ses parents auraient pu se rencontrer. C'était Bob Gale qui a eu l'idée. Ah, pardon, ok.
Et Allociné, voilà. Mais après, le truc, c'est que, en fait, pour autant, ils ont écrit ensemble, ouais, malgré tout. Enfin, c'était deux gros poteaux, donc ils ont écrit ensemble. Mais effectivement, c'est Bob Gale qui s'est imaginé ça à l'origine. Mais je crois que Robert Zemeckis, il s'est aussi imaginé, ouais, des trucs un petit peu dans le genre. Et en fait, je trouve qu'il y a quelque chose qu'on dit peut-être pas assez, c'est qu'il y a quand même des thèmes profonds dans Retour vers le futur. C'est vrai, par exemple, bah, comment nos parents, on les connaît quand on est né, mais on n'imagine pas toute leur vie derrière, on s'imagine. Et finalement, ça a aussi sur le déterminisme, qu'est-ce qu'on serait devenu si ça s'était passé autrement. C'est des thèmes vraiment profonds que j'ai ressentis en les revoyant. Et c'est vrai, alors que pourtant, c'est quand même un grand divertissement. Et je trouve ça hyper intéressant, du coup. Mélanie, toi, t'es d'accord avec ce constat sur Robert Zemeckis ? Vraiment, là, tout ce que tu as dit, c'est ce qui fait la beauté du film, c'est de se poser la question de qu'est-ce qui aurait pu se passer, mais avec un côté très divertissant, surtout des personnages caricaturaux, mais super attachants. C'est envie, vraiment, que... Michael J. Fox soit ton pote de classe et que Emmett Brown soit ton tonton rigolo. C'est vraiment... T'as un attachement vraiment particulier, et surtout, moi, ce que j'adore chez Zemeckis, c'est les univers qu'il crée, c'est coloré, c'est très minutieux aussi, il y a plein de détails, c'est très pop. Et puis surtout, c'est un grand amoureux, justement, de l'époque passée. C'est comment il fait 1955, mais c'est une beauté. C'est tellement bien fait, que ce soit dans la musique, que ce soit dans l'image, dans les... Il faut aussi parler des costumes, ils sont... exceptionnel. Vraiment, pour le coup, tu sens que il s'est fait vraiment plaisir en faisant le film. Qu'il y avait un vrai travail, Michael, Ouais, je suis totalement d'accord, et je rajouterais juste que en regardant ces films, ce qu'il a réussi à faire aussi, c'est qu'on se sente vraiment bien en regardant ces films. C'est-à-dire que le mood qu'il crée, que ce soit avec les personnages, la musique, parce qu'on n'en a pas aussi, trop parlé, mais la musique est juste brillante. C'est, alors, c'est pas lui qui l'a fait, mais c'est aussi bien s'entourer, on va dire. Et juste, on se sent super bien en voyant ces films, même quand ils sont vraiment dans des situations catastrophiques. On est bien avec eux tout au long du film. C'est pas le feel good movie, parce que c'est pas ça exactement la définition propre, mais en tout cas, moi, je me sens. Il y a du feel good movie, mais c'est pas la définition réelle du film de base. Mais t'es juste trop bien. Et lui, il a réussi à transmettre ça à l'écran, et ça, c'est formidable, on peut le remercier. Mais d'ailleurs, si vous deviez confier cette série-là à un autre réalisateur, cette trilogie-là, qui est-ce que vous mettriez? Spielberg. tu peux pas. Dans la cohérence. C'est logique. D'accord. Je pense qu'il aurait. En vrai, je pense que même Spielberg aurait fait à peu près la même chose, sauf. Moi, la chose, si c'était Spielberg qui avait réalisé Retour vers le futur, c'est que je pense que Marty aurait été plus jeune. Parce que le truc, c'est que Spielberg, il aime bien quand c'est des histoires. Oui, des enfants. Et surtout, il aurait mis une relation plus filiale entre les deux. C'est parce que vraiment, Spielberg ne s'est fait faire que des choses. Non, c'est même pas vrai, mais il y a un peu des rapports entre père et fils avec des jeunes, peut-être un peu plus jeunes dans leur tête. Parce que je trouve que Marty, il est quand même assez mûr, malgré tout, pour son âge. Alors que Spielberg, c'est au contraire plus... Plus ils sont un peu jeunes dans leur tête, mieux c'est pour lui, quoi. Oui, d'ailleurs, le plan séquence du 1, enfin de l'introduction du 1, sur toutes ces pendules, ces horloges, est incroyable, en fait. Ça met tout de suite dans le tempo du film. Tout à fait. Et d'ailleurs... Elle est très forte. Elle est très très forte, et d'ailleurs ça m'a rappelé, comme ça en le disant, un lien avec du coup un autre réalisateur, David Fincher, et l'étrange histoire de Benjamin Button, où il y a ce truc autour de l'horloge qui tourne à l'envers. Juste un motif qu'on retrouve, qui est pas forcément mais en soi, Benjamin Button, ça aurait pu être réalisé par Zemeckis. Ça n'a pas été étonnant, parce que c'est une histoire un peu c'est un peu fantaisiste, un peu je trouve qu'il y a un lien. Mais autre chose juste qui rend cette saga culte, c'est aussi sa VF. On critique souvent la VF, mais alors pour le coup, la VF de Retour vers le futur. Je l'ai jamais vu en VO. J'ai jamais vu Retour vers le futur en VO. Mais quand je l'ai revu pour l'émission, je l'ai vu en VO justement. Et alors, moins bien. C'est intéressant. Mais d'ailleurs, fun fact. En français, c'est Pierre Cardin qui s'appelle, et en anglais, c'est Calvin Klein. Tout à fait. Pour les slips, on balance une info. Oui, alors on voit, donc c'est dans le 1, on voit les slips, c'est ça. Oui, mais parce que il l'appelle Pierre Cardin, et en fait, en anglais, il se fait appeler Calvin Klein. C'est sa mère, c'est ça, c'est sa mère qui chez elle le retrouve. Lui, elle a pas son nom. Dans le premier film. Et du coup, il se fait appeler, oui, c'est ça, Marty, donc Calvin Klein. La VF, parce qu'apparemment c'était pas du tout connu, Calvin Klein, en France. Maintenant c'est un peu plus connu. Maintenant c'est le cas, mais à l'époque pas du tout. Mais du coup, la VF, c'est ça qui aussi rend cet univers aussi culte. Une des meilleures VF, Oui, complètement. C'est juste un choix de comédien qui est absolument dingue, qui se sont emprunts vraiment du film. C'est en plus, alors
moi, enfant des années 90, ayant des parents avec toujours la télé allumée, forcément, quand ça passait, on les regardait parce que c'est un film que tu peux mettre des gamins devant. C'est familial, ouais. Voilà, il n'y a pas de souci. Et le truc, c'est que forcément, tu as des parents qui ne veulent pas regarder en VO, qui te mettent en VF. Et le truc, c'est que j'ai été tellement bercée par cette voix que là, rien qu'en y pensant, j'ai la voix des Matt Brown dans la... Oui, on les entend. Ah, nom de Dieu. C'est très mal, mais il y a l'intonation. Et ce qui est bien, c'est que je trouve qu'en plus, moi, c'est le film qui m'a vraiment donné cette culture de la VF. Il y a certains films que... Alors, maintenant, moins, mais il y a mes films d'enfants, je pourrais jamais les regarder en VO, tellement ça m'a donné une culture de la VF, surtout des années 90-2000, jusqu'à 2000, en fait. C'est ce qui est toujours un petit peu redit, c'est que jusqu'à 2000, la VF, c'est très bien. Après, c'est un tout petit peu moins bien. Ça s'est un peu dégradé. C'est ça, la qualité est un peu dégradée, mais... Mais le fait de l'avoir revu en VO, ça m'a permis d'admirer la performance des comédiens. Ouais. Parce que, par exemple, celui qui joue le père de Marty, je le trouve incroyable dans sa gestuelle. Ouais. Il est cambré, il est gauche. Tu sens qu'il ne se sent pas bien et c'est incroyable. J'étais vraiment impressionnée par le jeu des acteurs. On arrive à la première place, que vous l'aurez compris, et Retour vers le futur 2. On n'a pas encore dit notre top 2. On n'a pas dit. Ah, mais j'oublie. Moi, je suis trop auditeur. Elle est co-animatrice, Elsa. Votre top 2. Alors, mais toi, on l'a compris, du coup. Moi, c'est le 2. En fait, c'est le 1 et le 2. Ils sont à la première place ex aequo. Ah, en fait, mais tu triches un peu. Bon, ouais, je triche de ouf. On arrive sur le 2, mais tu as le droit, t'es l'invité, tu fais ce que tu veux. Michael. J'avoue, je suis un peu comme toi aussi. Ah, donc, non, toi, tu okay, dois choisir par contre. Okay. C'est pas cadeau pour tout le monde. Bah, je dirais en deuxième position le 2. Le 2, ok. Moi, je vais mettre le 1. Le 1, bah, moi aussi. Moi, je suis comme les auditeurs, Retour vers le futur en deuxième place, parce qu'on arrive à la première place avec Retour vers le futur 2. Mais avant, Michael, qui est un peu notre Hannibal Lecter, nous a décortiqué tout ça, nous a disséqué un peu le marketing de Retour vers le futur. Alors oui. Alors vous le savez peut-être pas, mais Retour vers le futur a été le premier film à avoir autant recours au placement de produits. Alors que ce soit en tant que simple détail du décor ou en tant qu'objet principal d'une scène, les marques sont omniprésentes à l'écran. Que ce soit le Pepsi Mac, les chaussures Magnike, l'Overburn Mattel, la montre Casio, les pneus Goodyear, les pizza Hut ou le caleçon Calvin Klein, les marques ont payé très très cher pour être dans le film. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard. Au moment du tournage, la société de production Universal venait d'ouvrir un département chargé des placements de produits et son responsable est parvenu à faire signer une quantité astronomique de marques afin de réussir à boucler le budget de production. Mais derrière tous ces placements de produits, se cachent quelques anecdotes sympathiques sur la commercialisation de ces objets. Alors d'abord, la DeLorean, je ne sais pas si vous le savez, mais lancée en 1976, cette voiture fut un échec complet. Il y a eu seulement 9000 voitures qui ont été construites et c'est seulement grâce à ce film que cette voiture est devenue un mythe de la pop culture. À l'époque, il fallait débourser 25 000 $ pour s'en offrir une. Aujourd'hui, un modèle en bon état, c'est 150 000 $. Ça pique. Voilà, ça pique un tout petit peu. Et aussi, on a également l'Overburn Mattel, donc le skateboard qui plane un petit peu, qui plane beaucoup d'ailleurs. Après son succès dans la saga, Mattel et d'autres marques de jouets ont voulu en faire des répliques non volante, bien entendu, et ils n'ont pas pu le faire car des associations de parents craignaient que leurs enfants se jettent dans le vide avec ce skateboard et du coup ils firent pression sur les marques pour empêcher la commercialisation. Bon, je vous rassure, entre temps il y a eu quelques repliques quand même, mais à l'époque c'était interdit. Donc voilà, en bilan, les placements de produits sont-ils indispensables ou non dans la création d'un film? Alors financièrement c'est une certitude, voilà, il y a beaucoup de fonds qui ont aidé le film et après ensuite il y a eu du merchandising, donc clairement. Mais niveau créativité, un petit peu moins sûr. En effet, Bob Gale, le scénariste du film, a même dit qu'il ne referait plus jamais de placement de produits car c'est la nuit à la créativité du film. Effectivement, certaines marques donnent clairement leurs avis sur les objets pendant le film, donc un peu compliqué. Alors oui, les placements de produits mythiques ont contribué au succès de la saga, mais comme vous pouvez le voir, il ne faut pas trop en faire. Effectivement, les placements de produits, on les retrouve beaucoup dans ces films-là, et notamment dans le deuxième film, ça foisonne pas mal. Après, le budget est assez cher. Est-ce que je crois que tu as le budget? Oui, c'est ça, du 2, tu veux dire? Oui, c'est ça. Alors, je peux vous dire pour les 3. Hein, sinon, c'est que pour le premier, c'est 19 millions de dollars, pour le 2, c'est 40 millions de dollars, et pour le 3 aussi. Donc, c'est des budgets qui, aujourd'hui, quand on a Avengers, tout ça, ça nous semble pas, même Nolan, avec Tenet, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, en fait? Qui nous a fait un 200 millions avec Net, mais là on est sur du 40 millions, mais pour l'époque c'était beaucoup. Bah, à l'origine, quand il y a eu le premier qui est sorti, qui sont vus, ça fait de la moula, on est content. En fait, il y a les producteurs d'Universal, donc il y a
qui ont produit le film aussi, qui ont coproduit le film, qui en fait ont dit bah voilà, vous allez signer pour un 2 et un 3, et donc Bob Gale et Zemeckis, ok d'accord, on va faire un 2, ils commencent à faire un scénario, je crois, de 230 pages, un truc comme ça. Ouais. C'est là, on va le faire chiffrer, budgéter et tout, combien ? 60 millions de dollars. Et là, Universal était là, lol, on va pas faire le film le plus cher de tous les temps, parce qu'à l'époque c'était le cas, avec l'inflation, tout ça. Se dire, on va pas faire le film le plus cher de tous les temps pour un truc où il y a deux guignolos qui sont dans une voiture qui volent. Et donc, c'est là où, en fait, ils ont décidé, en fait, de séparer ce scénario, en fait, en deux parties, et ce qui a donné le 2 et le 3, qui était donc, à l'origine, c'était 30 millions, et puis, bon, dépassement de budget, évidemment, qui a fait donc 40 millions chacun. Ouais, mais au final, voilà, ça fait 80 contre seulement 1 à 60 millions, tu dis, bon... Est-ce que c'est un chouïa plus rentable quand même, quoi ? Oui, c'est sûr que ça vaut le coup. Mais d'ailleurs, donc ce pour les auditeurs, le meilleur film de cette saga-là, c'est le 2. Bah, pareil, Mélanie, est-ce que t'es surprise ou pas par cette... Ah bah non, c'est... Le truc, c'est que, bah, justement, quand on parle pop culture, je trouve qu'on parle plus du 2 encore. Parce que, tout simplement, en fait, par les trucs marketing, justement, par tout ce qui est marketing dedans, et aussi, là, actuellement, faut pas oublier que c'est un film d'anticipation. 2015, c'était il y a 6 ans. Bah, donc, en fait, le truc, c'est que c'est normal que tout le monde aime parce que c'est le film qui, on va dire chronologiquement, en fait, se rapproche le plus de nous parce que, ouais, on aurait trop voulu, en fait, qu'il y ait... que ce soit ça, 2015. Oui, c'est sûr. Mais il y avait, d'ailleurs, en 2015, il y a eu des événements au Grand Rex. Bah, je l'ai fait. Une soirée. Ah, t'étais là-bas. Alors, c'était pas le jour même, pas le... En, bah, c'est le combien le, En novembre juste, 24 novembre, je sais plus. Oui, un truc comme ça. Et en fait, octobre, novembre. 25 octobre. 25 octobre, merci. J'étais perdue sur les dates. Et j'y étais et c'était très très cool parce que justement on parlait des comédiens de doublage tout à l'heure et en fait ils étaient venus. Ah, c'est cool ça. Et c'était trop bien et j'étais super. Genre, c'est ultra émouvant de voir les comédiens qui soient salués par la salle entière du Grand Rex en disant merci de nous avoir fait rêver petits. Mmh. Et voilà. Et c'était passé en VF ? C'est ceux dans la VF. Oui, non, je veux dire, les films étaient projetés en VF. Bah maintenant je crois qu'en fait c'est la seule fois où j'ai vu en VO marathon. Alors moi j'ai fait le marathon, c'était en VF au Grand Rex. Ah non, c'est en VF. Ah bah alors c'est celui-là. Non, c'est en VF. Bah, c'était bien en VF. Mais alors, qu'est-ce qui fait de ce 2 une perle comme ça pour les auditeurs, Elsa? Moi je trouve que c'est un film qui mélange beaucoup de genres et qui arrive parfaitement, qui a un équilibre assez incroyable. C'est-à-dire qu'on est dans ce film un peu avec une ambiance noire quand il arrive dans ce futur mais ce passé un peu changé et c'est c'est assez incroyable de l'équilibre qu'on retrouve parce qu'on garde quand même ce good mood, tu vois. Mais en même temps, il y a une ambiance, une atmosphère assez difficile, assez pesante. Et c'est hyper intéressant d'avoir osé faire ce pari artistique, de se dire on fait un film grand public, mais il y aura une partie du film, ça sera pas ouf émotionnellement. Nickel. Moi, c'est le rythme du film. Le rythme est haletant. Il n'y a pas une seconde de répit par rapport au premier et le 2. C'est le 3. Le premier était rythmé, mais celui-là, ça va dans tous les sens. Il fait 3000 allers-retours. Ouais. Alors, tu t'arrives à garder en tête quand même ce qui se passe, mais ça va très loin dans le futur, dans le passé. C'est génial. Et c'est le film où, entre guillemets, qui est le mieux écrit en termes de péripéties, en termes d'action. Ouais. C'est vraiment pour moi le mieux écrit aussi. Mais justement, c'est parce qu'il y a eu le 1 avant, c'est pour ça que pour moi c'est une entité. C'est qu'en fait, le 1, c'est la situation d'initiation. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on dit. Et en fait, le 2, c'est. Situation initiale. Situation initiale, tout à fait. Et en fait, le truc, c'est que comme on a déjà situé l'initiation, on a présenté les personnes, le cadre. Quoi. Exactement, mais en fait, le 2 ne peut être que rebondissement. Donc en fait, c'est pour ça, je pense que. On l'aime. En fait, le truc, c'est que faudrait demander à ceux qui adorent le 2 s'ils pourraient le voir sans le 1. C'est pas possible. Oui. Alors que moi, je peux voir le 2 sans le 1. Oui, mais, découvrir. Ouais, quelqu'un qui découvrir le film. Ouais. Je crois que j'avais découvert le 2 avant de voir le 1. Je crois que mais justement, en fait, ça, c'est une bonne question à savoir. Est-ce que vous avez découvert dans l'ordre ou pas? Parce que justement, moi, je trouve vraiment que le 1, le 2 ne fonctionne que parce qu'il y a le 1 qui lui a préparé en fait la place. Ah ouais, non, moi je suis quasiment sûr que j'ai commencé avec le 2 et que j'ai adoré le 2 et après le 1, j'étais un peu déçu. Mais je pense exactement comme toi, même s'il y a cette scène au début du 2 où en fait à chaque fois ils reprennent, les 5 dernières minutes du film. Ouais. Mais c'est vrai que pour tout comprendre du 2, à mon avis, tu peux rien faire. Après là, ils l'ont fait en plus parce qu'ils changeaient une actrice. Ouais. Hein, donc c'était aussi ça. Donc... Ils ont retourné la scène d'ailleurs. Ils ont changé l'actrice qui jouait Jennifer, la petite amie de Marty. Mais en plus, ce que je trouve hyper bien dans le 2, c'est aussi toute la mise en scène, c'est grandiose. Enfin, il y a des scènes, l'overboard, la course poursuite, c'est assez incroyable et je trouve, c'est vraiment, moi ça m'a vraiment épaté visuellement. C'est le plus drôle le 2 aussi, selon vous?
Ouais, celui qui a le plus d'humour de... Attends, oui, il y a quand même Michael J. Fox qui joue lui en femme, et sa fille, c'est quand même énorme. Toute la famille, vraiment, elle est juste dingue de Marty McFly. Ils sont ultra drôles. Alors, j'avoue que c'est pas forcément la séquence que j'aime le plus dans le film, parce que je la trouve un petit peu longue, pour le coup. Ouais. Mais c'est vrai qu'ils sont excellents. Moi, c'est plutôt dans le futur, Biff Tannen et sa bande. Ah oui. Et en fait, tout ce qui est, justement, maintenant que nous, on a passé 2015, de se dire, c'était ça, le futur. Ça me fait vraiment marrer, parce que, justement, Bobby Gale disait dans une interview, je sais que dans 2015, les voitures ne voleront pas. Mais dans mon film, oui, parce que c'est mon film. Et je trouve ça génial de se dire, vas-y, je fais ce que je veux des voitures qui volent. Ouais. Je veux qu'il y ait un requin qui sorte. Ouais. Justement, super clin d'œil à Spielberg en mettant Jaws 19 et tout. C'est ça. C'est, en fait, le truc, c'est que vraiment, c'est le plus drôle, parce que tu sens que là, tout le long, tu sens qu'ils sont éclatés. Ouais. Mais là, ils sont vraiment dit, lol, on fait ce qu'on veut, toi, c'est l'anticipation. Et vraiment, ils font n'importe quoi. C'est les costumes. C'est ils le plus riche, bizarres, en fait. Mais bien c'est... sûr. Parce que, aussi, oui, le plus fantaisiste, parce qu'ils ont inventé. Les autres, ils peuvent pas inventer, c'est le passé. C'est mais là, ils ont vraiment pu laisser cours à leur imagination. Oui, Elsa. Non. J'étais d'accord avec ce que mais vous dites. J'ai une question pour vous. Est-ce qu'aujourd'hui, du coup, vous aimeriez voir un quatrième volet de Retour vers le futur? On en parle de temps en temps. Robert Zemeckis est contre. Steven Spielberg aussi, je crois qu'il est plutôt contre. Ils sont trop vieux, de toute façon, c'est pas possible. Ce serait comme les SOS fantômes. Il y a eu un teaser de Ricky et Morty en prise de vue réelle, où il y a Christopher Lloyd qui, du coup, joue la version réelle. Oui, mais là, c'est rigolo. Là, c'est une blague. Mais ça marcherait pas aujourd'hui. Non. En fait, ce qui marcherait pas, même pour les Jurassic entre guillemets, c'est que aujourd'hui, ça ferait tellement réel. Là, il y a la pâte, il y a le grain. Tu vois ce que je veux dire? Là, comme le Jurassic World, il fait trop action, trop blockbuster avec les Jurassic Park. Certes, c'était une révolution à l'époque, mais ils ont ce grain, cette pâte que tu ne retrouveras pas là. C'est un kitsch qu'on aime, en fait. Oui, c'est un kitsch qu'on aime, exactement. C'est vraiment, un kitsch. Mais le kitsch n'a rien de mauvais au cinéma. Tim Burton a basé sa filmographie sur faire du cinéma kitsch. Et c'est super beau, c'est super sympa. Même Spielberg, justement, avec les Jurassic Park, même E.T., ils le savent que c'est kitsch, c'est pas grave. Ça fait la patte, comme tu dis, ça fait le grain du film. Puis même, en vrai, il faut juste penser aussi aux acteurs. Moi, j'ai pas. Même, c'est vraiment Michael J. Fox qui est malade. Qui a Parkinson. Je veux pas. Déjà, il l'avait à l'époque, en plus, déjà un peu. Et là... Difficile de tenir sur le hoverboard après. Oh non, mais Elsa, t'es vraiment infâme. On parlait des décors et du coup de la façon dont ça vieillit, mais c'est vraiment parce qu'il y a Larry Paul qui, du coup, était le chef décorateur du 1, si j'ai pas de bêtises, qui a pas été rappelé pour le deuxième, parce qu'entre temps, il a gagné l'Oscar pour son travail pour Blade Runner. Et Zemeckis a dit, il va nous faire un truc trop sombre. Il faut pas qu'il revienne. Comme quoi, c'est une saga qui est quand même ponctuée de petites anecdotes. Quel, dont vous, on l'a compris, vos films préférés pour toi, c'est Retour vers le futur 1. En une phrase, pourquoi? Qu'est-ce qui marche autant pour toi sur le 1? C'est le début d'une aventure. Ouais, c'est vraiment juste le début d'une aventure. C'est le début d'une bromance. C'est vraiment la. Il y a eu des films de voyage dans le temps, il y en a eu moult, mais c'est vrai que c'est celui où, si je devais voyager dans le temps, j'aimerais bien que ce soit de cette manière-là. Franchement, c'est quand même chouette. Et puis surtout, il y a Johnny B. Goode, quoi. Une des meilleures scènes musicales du cinéma. Elle a vraiment marqué le cinéma. Bien sûr. Michael, quoi. Le 1 aussi, et en une seule phrase, je dirais que dans ce film-là, il y a tout. Et on retrouve tout ce qu'il y a dans le 1, dans tous les autres films, les péripéties, Doc, est-ce qu'il va mourir, est-ce qu'il va pas mourir, parce qu'on oublie la fin du 1, ou genre incroyable, encore une fois, et on le retrouve dans le 3, on le retrouve dans le 2. Donc tout ce qu'il y a dans le 1, on le retrouve partout, et je suis d'accord avec toi, Mélanie. Moi, je pars sur le 2, parce que aussi, je trouve que c'est le plus profond moralement. C'est-à-dire que, est-ce que si je pouvais retourner dans le passé, je deviendrais corrompu, enfin tout ça. Non, mais c'est vrai, c'est sûr. Oui, absolument. C'est sûr, Elsa. Elsa, c'est une corrompue. D'ailleurs, je voulais vous poser la question. Tu penses, toi, si tu pouvais retourner Les PMU, là ouais. Il y a moyen, ouais. Il y a moyen, quand même. Non, moi, je sais pas. J'aurais trop peur. Ah, c'est tentant, le PMU, quand même. J'avoue. Donc, le 2 pour moi. Moi, je t'en joue aussi sur le 2, parce que je pense que j'ai l'impression que c'est le plus riche. C'est ça, en termes de péripéties, en termes d'humour. C'est le plus fou, effectivement. C'est la mythologie se crée dans le 1. Mais le 2, pour moi, c'est l'apothéose, quasiment, de cette saga-là. Donc, avec Elsa, on rejoint ce classement des auditeurs, qui était donc, je rappelle, pour les auditeurs, 3 en 3e place. Le 1 en 2e place et le 2 en 1ère place. Mais restez avec nous, car tout de suite on va se challenger autour d'un blind test. Un blind test au thème mystère. C'est donc à vous de trouver quel est le thème qui va lier les extraits que je vais vous passer. Mais vous allez faire
gagner des places pour Stillwater, donc le film avec Kami Kota et Matt Damon grâce à Universal. Vous pouvez piocher les gens qui ont participé, ils ont été nombreux sur les réseaux sociaux à participer. Vous en piochez tous un et on fait gagner 3 places. Et c'est-à-dire qu'en fait, il n'y aura que 2 personnes qui vont gagner. Moi, je piocherai quelqu'un. Donc, en gros, c'est un blind test où le but, c'est de ne pas perdre parce que la personne qui aura perdu ne fera gagner personne. C'est comme ça que ça fonctionne. Okay. Alors, qui as-tu pioché, Mélanie ? Il y a beaucoup trop de caractères. Résume-le. J'ai Mika at Garcia M. Ah bah très bien. Ça doit être Twitter. Michael. La Calanquaise. La Calanquaise. Et Elsa. Moi j'ai Los Pollos Hermanos. pas mal. Non surprenant. Et donc à la fin je piocherai quelqu'un en plus qui gagnera d'emblée puisque moi je peux pas participer à ce blind test que j'ai créé. On commence directement. C'est des extraits en VF. On parlait de la VF. Tout est en VF. Après il y a peut-être des trucs français aussi. Vous me dites G dès que vous pensez avoir le titre du film. Et puis voilà. On y va. Thème mystère. Thème mystère. Vous trouvez le thème seulement à la fin quand je vous demanderai quel est le thème. Pas avant. Je vous en prie, on commence avec celui-là. Bien. Oui, si elle en fait autant. Vas-y. Tu peux dire G. Mélanie, oui, tu peux dire G parce que les auditeurs risquent de. Pardon, G. T'as levé la main, mais vas-y. C'est Harry Potter. C'est le. Ah, là, vas-y. C'est le. Oui, parce que si elle en fait autant, c'est elle gueule sur. Vas-y, touche-toi. Soit le 1, soit le 5. Ah non, c'est non. Pas dans cela. C'est pas dans cela. Alors attends. Vas-y, tu l'as trouvé. Je peux mettre un peu plus l'extrait si tu veux, ça peut t'aider. Oui. Ne me réponds pas oui. Ah oui, c'est le 3, je suis prête. Bah voilà, c'est la tante Marge. La tante Marge, effectivement. Un premier point pour toi sur Harry Potter 3. Je suis désolée, je vais être insupportable, j'adore les jeux. Ah bah voilà, bah c'est bon, on est là pour ça, on est là pour se challenger, pour enfin, se battre. Enfin, quelqu'un à ma hauteur dans cette équipe. Elle gagne souvent, mais attention. On y va avec celui-là maintenant. Excusez-moi, mais je suis un peu perdu. Vous faites du rallye ? Vous êtes boxeur, cascadeur ? Vous tournez dans un film historique, là ? J'ai ? Elsa. Les visiteurs ? Les visiteurs, exactement. Oui. Le premier visiteur, tout à fait. En fait, tu nous as trompé en disant c'est en VF, mais parce qu'il y a des films français. J'ai dit, il y a peut-être des films en français. Tout à fait, un point pour Elsa, un point pour Mélanie. On enchaîne sur celui-là maintenant. T'es mort, chérie ? Qu'est-ce que c'est ? Ah, un deuxième cadavre. Sarah Louise Connor. C'est Elsa. Terminator. Terminator, exactement. Je précise que là, c'est une bande-annonce. Parfois, quand il n'y a pas de bons extraits, vous aurez des extraits de bande-annonce. Deuxième point pour Elsa. Michael, ça s'est joué de très peu. Ouais. On continue avec celui-là maintenant. Ce que je vais vous raconter va vous paraître fou. J'ai Elsa. Benjamin Button. Mais vous. Non, c'est pas Benjamin Button. Vas-y. J'allais dire Seul au monde. Non, Forrest Gump. Non plus. Non. C'est la voix de Tom Hanks pourtant. Ah ouais ? Non, je crois pas. Ah, c'est le. Bah là, on continue. Non, hein. Ah ouais ? Écoutez. Si, je crois qu'elle a raison. Ce que vos vies en dépendent. The Tree of Life ? T'as proposé quelque chose ? Oui, pardon, The Tree of Life ? The Tree of Life, non, c'est pas The Tree of Life. Ah ouais. Non, si, Cloud Atlas. Non plus. C'est Ready Player One ? Non plus. Il tente, alors je remets. Je fais toute la suite dans toute l'annonce. J'ai. Ah, non mais vas-y. Blade Runner. Non. Attends, écoutez, tentez d'avoir des indices parce que non, là c'est sur un bruitage. C'était ma première propale. Hein. Allons-y. Et ce n'est pas la première fois. Que nous avons cette conversation. Quel jour sommes-nous ? Le jour du jugement dernier. Vous venez d'arriver avec les nouvelles recrues. Michael. Armageddon ? Non, c'est pas Armageddon. Mais c'est pas Blade Runner ce qu'on dirait du. Non, c'est pas Blade Runner. Vas-y, continue. L'invasion va échouer, même avec tous les soldats que vous envoyez. Nous allons tout perdre. Michael. Edge of Tomorrow. Exactement. Oh, Edge of Tomorrow. Il est venu loin, lui. Tout à fait, Guy. Putain, tu t'es battu pour l'avoir. Hein, je le vois sur Netflix, ce film, je suis là, je le regarderai demain. Mais il est pas mal. Il est bien. Moi, je le trouve pas mal, de Doug Liman, avec, c'était donc Tom Cruise, la VF de Tom Cruise, avec Emily Blunt aussi. C'est un bon film. Oui, vraiment que c'est plutôt un bon film. Genre, alors, c'est vraiment le... Oui. J'aurais pas cru, mais en fait, c'est un bon film. Ouais. Mais par contre, un bon divertissement. J'avoue que la voix, on dirait vraiment celle de Tom Hanks. Mais je crois que c'est le cas. En l'écoutant, j'ai cru. Je me suis aussi dit que c'était ça. Bon, on continue maintenant avec celui-là.
Jack. Ah bah oui. Les dents de la mer. Non, c'est pas les dents de la mer. Non, non, mais la cité de la peur ? Non plus. Ah oui, pas mal. Un retour vers le futur 2 ? Exactement. Ah, non, c'est pas sympa. Non, c'est pas sympa celui-là. Faut écouter. Non, écoute, c'est pas le son, je t'en prie. Écoute, je t'en prie. Faut écouter plus. Ouais. En effet. Et la petite punchline qui arrive. Le requin a toujours l'air aussi faux. Salut les voilà. Le requin a toujours l'air aussi faux. Ah, faut pas se... Non, non, c'est la musique, mais qui est sur un son un peu oui. différent. Mais c'est bien parce qu'on a dit trois films où il y avait la musique. On a trois points. Voilà. C'était donc, non, le point c'est pour Elsa qui remporte un troisième point qui prend une petite tête. Mmh. On continue avec celui-là maintenant. On pense tous qu'on foncerait dans le bâtiment en flammes. Mais tant qu'on ne sent pas la brûlure, on ne peut pas savoir. Vous, vous savez. Vous avez préféré mourir plutôt que d'abandonner vos collègues. Ça réfléchit. Cette épreuve que vous avez réussie, elle n'est pas donnée à tout le monde. Bienvenue dans l'au-delà. Alors, pour faire mon travail. Vas-y. Non, c'est juste, j'essaie de faire par déduction. C'est un truc de vous avez foncé dans les flammes, donc c'est un truc avec des flics ou des pompiers. Peut-être. Mais c'est pas le film avec Nicolas Cage, là ? Non. J'ai Minority Report ? Non. Allez, écoutez la suite, vous allez avoir des indices qui vont vous aider. C'est un film qu'on connaît. Il faut que j'aie une idée de ce qui nous menace. D'après ce que j'ai compris, nous essayons d'éviter la Troisième Guerre mondiale. Ah, Vas-y. Tenet, exactement. Oh, c'est la voix de Clémence Poésie. Clémence Poésie, oh là là. Tout à fait, qu'on a entendu. La qu'est-ce que j'ai de reconnu de à tout ce qu'il vient de dire, là ah bah, c'est la musique, si, vite fait. C'est oui, la voix de Clémence Poésie, surtout cette phrase. C'est une des bandes annonces et j'ai pas pris la plus évidente, oh quand oui, même. Clair, vous challengez un peu. Attention, il en reste... Ah oui, alors, faut que je te mette le point, sinon ça va être plus compliqué. Oh bah t'avais qu'un point, t'en as trouvé qu'un pour l'instant, ou c'est que j'ai oublié de te... Non, non, j'en ai trouvé qu'un. Oui, c'est ça, on est d'accord. Je suis compétitive, mais pas forcément doué. Est-ce que j'ai oublié de te noter un point ? Allons-y sur celui-là maintenant, c'est parti. Oui, c'est pourquoi ? Qu'est-ce qui lui est arrivé à l'école ? Vous êtes parent d'élève ? Ça y aurait pas intérêt. Toi, t'es qui ? Je m'appelle Hank. C'est toi, le fauve ? Ouais, bien sûr. Vas-y. Non, t'as dit en premier. C'est Wolverine ? Non, c'est pas bah, ça. C'est un X-Men, justement. Et c'est lequel ? Alors, c'est... Attends... le Hank, c'est... Alors, c'est Days of Future Past. Exactement, ah, Days of Future Past. Bravo. Troisième point, tu rattrapes Elsa. Maintenant, égalité entre Mélanie J'adore et Elsa. J'adore ce jeu. Nickel, ah bah c'est les blind tests. Mais on te fera venir si tu veux un grand affrontement. C'est grave. Un épisode que avec des jeux drôles. C'est un peu le Burger Quiz du cinéma. Et je dis ça avec beaucoup de prétention. Ah oui, de ouf. Parce que j'adore Burger Quiz. Mais j'en organise moi aussi sur mon Insta des jeux dans ce genre-là en plus. Ah bah, c'est super cool à faire. Ah bah trop cool. Et bah voilà, les gens N'hésitez peuvent te suivre. Vous bah oui, c'est ça. Oui. Te suivre pour avoir aussi ces petits jeux-là directement sur Instagram. On continue, on approche de la fin avec celui-là. Flaco, tu sais que t'as rien à faire au nord de Canal Street. Qui c'est Flaco ? Hey, calmos le rebelle. C'est moi qui veulent, pas toi. C'est du délire, pas vrai ? Qui débarque, qui cause au mur, le mur qui leur répond. Ouais, c'est flippant. Mais te prends pas la tête avec ça. J'ai ? Vas-y. Men in Black. Le, oui, exactement, Men in Black. Lequel, le mec, t'es dur. Non, bah, soit le 1, soit le 2, mais je sais non, plus. Bah, ah, c'est le 3 mais je me demande si c'est pas le 3. C'est le 3, ah, c'est bah, le 3 mais je te l'accorde, nickel. T'as un point à trouver. C'était pas évident, Men in Black. C'est pas mais forcément. C'était la voix de Will Smith. Oh, c'est la voix produit de Will Smith. Par, aussi produit par Steven Spielberg ah ouais, derrière Men in Black, tout à fait. On y va, on est à l'avant-dernier. Okay. C'est parti pour celui-là. Oubliez pas vos bottes. Oui, j'ai. Oula, tout de suite. Ah oh, bah le jour de la marmotte. Eh, oui, The le Grand titre. Day. Et le titre en français, français tu l'as. C'est un jour sans fin. Un jour sans fin, exactement. C'est un de mes films préférés avec Bill Murray. Point. Ah là, le jour de la marmotte, ça t'a suffi. Hein. Ah mais c'est vraiment, avec la je le de connais. La radio. Ça fait partie des films que je. Alors là, pour le coup, j'ai pas vu qu'en VF, mais que je vois en alternance en VF en VO ah, parce bah, que ouais. La VF de Bill Murray est juste oufissime. Et vraiment, ce film, si vous ne l'avez jamais vu, c'est très très bien. Pour moi, c'est vraiment une des meilleures comédies qui existent. Parce que voilà, ça utilise. Faut le découvrir. Faut le voir. Allons-y pour le dernier, c'est celui-là.
Mais qu'est-ce qu'on s'était dit ce soir-là déjà? C'est Elsa. C'est la belle époque. La belle époque, oh non, exactement. Je l'avais en plus. Elsa remporte un quatrième point, égalité entre Elsa et Mélanie. Michael, 2 points, mais quel est le thème mystère? Oh bordel, j'ai complètement oublié. Quel est le thème? Le retour dans le passé? Le retour dans le passé. Enfin, le voyage dans le temps. Voilà, le voyage dans le temps, c'est ça. En gros, bon, c'est entre Elsa et Mélanie. De toute façon, on sait que, bon, Michael, ce n'est pas toi qui as fait remporter. Ah, c'est, si, j'aurais pu gagner et être à égalité. Oui, mais tu n'as rien proposé, là. Non, j'ai rien proposé. Mais non, j'ai pas le temps. J'ai pas le voyage dans le temps, effectivement. T'es parti acheter des pommes. Exactement. Des fois, c'est le voyage dans le temps. Avec Ténet, on recule dans le temps. On fait comme ça. Dans Le jour de la marmotte, un jour sans fin, on revit la même journée. La belle époque, on recrée une époque. Voilà, c'est effectivement le voyage dans le temps au sens large. Je veux bien que vous me bassiez pour que je tire au sort quelqu'un qui... Harry Potter 3, j'ai aussi effectivement. Harry Potter 3, il y a le retournant dans le temps, c'était tout était autour de ce thème-là. Et moi, je fais remporter directement Antoine Mapp, qui remporte aussi 2 places pour Stillwater. Et d'ailleurs, on remercie Universal qui nous offre ces places-là. Mélanie, on peut donc te retrouver sur ton compte Instagram, tu disais la manie du cinéma. Je fais des petits jeux. Des petits jeux. Voilà. Et aussi sur ta chaîne YouTube, dans laquelle, on l'a dit, il y a la vidéo, une vidéo que tu as faite sur Retour vers le futur. C'est ça, j'ai un format qui s'appelle Tal la ref, c'est bien, c'est dans le titre, c'est que je parle des références cachées dans les films, parce que c'est bien de prendre un film et surtout de parler des films qui l'ont inspiré. Comme ça, on s'intéresse à autre chose que les films, enfin, on s'intéresse au cinéma de patrimoine. Plus largement, exactement. Voilà. Et donc, il y aura le lien dans la description de ta chaîne YouTube et de cette vidéo-là, comme ça, vous pourrez découvrir directement ton travail, que vraiment qu'on aime beaucoup. On était très heureux de te recevoir. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. J'ai gagné. Et tu as gagné avec beaucoup de force. Ah oui, rappelez rapidement qui vous avez fait gagner, vous. On a pas... Ah oui, alors toi c'était compliqué, mais Mélanie... J'ai Mika, voilà. Non, c'est Los Pollos Hermanos. Voilà, toutes ces personnes-là ont gagné 2 places pour Stillwater. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous tous de l'avoir suivi. N'oubliez pas de liker le podcast et de le partager. Et vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube Sunday Night Ciné Série et activer la cloche pour découvrir ces épisodes disponibles en plus en version filmée ou vous abonner sur les plateformes audio, Spotify, Deezer ou encore Apple Podcast. Merci à Pierre-Emmanuel et Guillaume de Sunday Night Productions. Merci à Quentin Padovani qui réalise cet épisode. Merci donc à Nuit Universelle qui vous a offert ses places. Et rendez-vous lundi prochain sur Clapement 5 pour un nouvel épisode. Et d'ici là, eh bien, allez au cinéma.